voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. L'île déserte. Peppa et George sont chez Danny Dog. Le capitaine Dog leur raconte ses souvenirs de marin. J'ai voyagé partout à travers le monde. Et puis je suis revenu à la maison. Mais cette fois, c'est pour de bon. Je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Papa, est-ce que parfois elle te manque, la mer? Eh bien, oui, parfois. Voilà Papy Dog, Papy Pig et Papy Rabbit. Bonjour! Le capitaine Dog peut-il venir jouer avec nous? Quoi? Nous allons faire une partie de pêche. À bord d'un bateau? En pleine mer! D'accord, allons-y! Mais voyons, papa, tu avais dit que tu ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau. Oh oui, alors je reste. D'accord! Au revoir! Au revoir! Voilà, ils vont partir à bord d'un bateau en me laissant là. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, papa? Je ne sais pas. Je vais peut-être enlever les algues dans la maison. Mais voyons, il n'y a pas d'algues dans les maisons, capitaine Dog. Non, bien sûr. Nous allons prendre mon bateau. Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papy Rabbit? Évidemment qu'il est solide. C'est moi-même qui l'ai construit. Cette pièce ne servait à rien. Montez à bord. Ah, j'adore partir à la pêche en pleine mer. Moi aussi. Et que faut-il pour une partie de pêche? Des cannes à pêche? Non, un panier à pique-nique bien rempli. Oh, c'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papy Rabbit. Mais je ne tiens pas le gouvernail, je croyais que c'était l'un d'entre vous. Oh là là, personne ne tient le gouvernail. Nous sommes perdus en pleine mer. Et regardez, le bateau de Papy Rabbit est en train de couler. Pas de panique, j'ai connu des situations qui étaient bien pires. Vous êtes sérieux? Non, c'est la pire de toutes. Nous sommes sauvés! Mais nous sommes coincés sur une île déserte! Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie! Et nous n'avons même pas de nourriture! Si, j'ai une tablette de chocolat! Bien! Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard! Oh non! Papy Rabbit a mangé toutes les provisions! C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil! Avez-vous envie de fromage, vous aussi? Nous ne sommes là que depuis 5 minutes, Papy Rabbit. Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage. Il faut appeler les secours! Appeler les secours? Voilà une excellente idée, Papy Dog! Au secours! Papy Rabbit a une voix très puissante. C'est quoi ce bruit? Je sais! Il s'agit de l'appel qui vient de la mer. Il y a des gens qui sont en danger. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, papa? Nous pouvons aller les secourir. Nous allons prendre le bateau de Papy Dog. Attendez! J'ai dit que je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Mais papa, voyons, ils ont besoin d'être secourus. C'est vrai, je vais naviguer pour la dernière fois de ma vie. Mettez vos gilets de sauvetage. C'est fait, capitaine Dog. En avant, toutes! Toutes nos provisions ont coulé avec le bateau. Il ne nous reste plus rien à manger. Ce serait pourtant bien que nous trouvions quelque chose à manger. Ohé! Nous sommes sauvés! Le capitaine Dog a secouru les trois grands-pères. Terre, droit devant! Tout le monde descend! Au revoir à tous! Je serai de retour dans quelques semaines! Papa? Où est-ce que tu vas? Moi? J'avais envie de repartir en bateau pour faire le tour du monde. Mais enfin, papa, tu n'es plus un marin maintenant. Non, évidemment. Et si vous nous laissiez naviguer à votre place, capitaine Dog? Oui, et la prochaine fois qu'ils se perdront en mer, vous pourrez repartir à leur secours.